des conseillers qui a dedans coulève 7 traites plus 2 traites fait 9 traites là pour que Ottawa aide le rete là comme premier ministre. Maintenant ça que m'a permettre nous comprendre et position pas que me toujours gagner peut-être et gain pile dans nous qui doit pas d'accord mais quelque part me toujours demander nous patience OK pour que nous font temps de moins parce que m'gain position même m'exprimer me détailler raison que femme gueule là et alors pour monde qui est position sous dossier communauté internationale toujours responsabiliser sur ça qui a passé dans pays d'Haïti même m'a dit nos grande bagaille gars qui est rentré dans pays ouais bah l'en coulève cette traite là dit que c'est yo qui choisit ça veut dire que qui choisit ça veut dire que yo endossé par le fait que yo endossé li et ben yo même yo gain responsabilité ya et ben même yo même là qui te font paquet moun vini par exemple moi Jean Charles représentant moi Jean Charles te gain moun parle que te besoin vinn faire premier ministre. Moi, je sais que je n'en dis seulement, même représentant moi, Jean-Charles qui est dans et coulève cette traite-là, qui gagne un candidat pour poste premier ministre en tout, dans le jeu de coquin, il n'a pas voté candidat que moi, Jean-Charles a proposé. Ça veut dire que moi, Jean-Charles fait, représentant dans coulève cette traite-là, voter Gary Kony Pito. Grand monde qui n'a pas voté Gary Kony, c'est représentant oligarchie qui c'est Laurent Saint-Cyr. C'est pas le fait que M. Pat là, M. Pat a un mandat pour te voter pour lui. Mais sinon, Gary Kony t'a passé à l'unanimité. C'est un lot qui baille. Et ancien sénateur Edo Zenite dit, c'est une instruction que yo baille monsieur yo. Yo dit monsieur votez Gary Kony. Eh bien, m'a dit nous que et moi t'ai fait plusieurs émissions et monsieur autant d'émissions en pile tout et yo pas prend ça nous dit à la légère. Qui ça que dit? M'dit pour bagalan m'a cherché connait un petit crasse de Gary Kony. Parce que pas oublier Gary Kony était premier ministre sous président Jovenel Moïse. Alors, pardon. Sous Joseph Michel Matéli, pardon. Et sous président Matéli. Président Jovenel Moïse, Mbap Jamblio. Nous salons pour courage. Et pour force côté gagné, bataille côté mené pour nous, pour nous coucaler. Nabjo, bataille à pape campé. Justice pour président Jovenel Moïse. Pendant que nous faisons glisser ça, je vais prendre tout le monde dans l'espace commentaire là. Écrit. Justice pour président Jovenel Moïse pour moi, c'est très intéressant. Et fait ça pour nous. Justice pour président Jovenel Moïse. Alors, m'a dit nous que, et docteur Gary Kony, il était premier ministre sous Joseph, alors, sous Joseph Michel Matéli en 2011. Monsieur passé 8 mois dans tête primature là. 2011-2012. Et c'était blanc sur l'information que tu as supporté, monsieur. Parce que pas oublier, monsieur, c'est un pro équipe. Et Clinton, ou bien la famille Clinton. Et par la suite, l'équipe PHTK a besoin pour que vous gérez un pile gros décaissement dans les affaires qui pour vous avec gros l'argent fonds Petro-Caribé. Malgré ça, sous Gary Kony, c'est la gros décaissement qui a commencé. Chiffre, c'était 210 750 000 dollars américains. C'était sous Gary Kony. Jusqu'à maintenant, pour qu'on ait une explication, qu'on est que, il y a des juges qui étaient invités à Gary Kony, les patrons venus, les juges même mettaient mandat derrière Gary Kony. Ça a été là, mais nous pouvons là maintenant. Et ça que mal dit avec arrivé Gary Kony, pour un pile monde qui pensait que, par le fait qu'il y a une bataille contre Koulev 7 traite plus 2 traite, fait 9 traite là, il y a des gens qui pensaient nous prenons tout virer au projecteur pour nous mettre pour Gary Kony qui sont ballon neuf. Non. Gary Kony qui était à Haïti, pardon, c'était en 2012. Monsieur tourné en 2024. Ça veut dire que monsieur tourné 12 ans après. Comprenez très bien. Le gars est connu dans le pays, qui est l'âge que je gagne. Ça veut dire que, il y a un monde qui, peut-être, est à peine apprend 18 ans moins, ou bien 18 ans moins, ou bien 18 ans moins, pas qu'on est. Peut-être l'âge, ça y est. 12 ans de cela. Mais là, ça, est-ce que, je suis actualité politique, je suis une idée vraiment, parce que je suis un focus, n'entendez, de mission politique. Honnêtement, je suis vraiment teasé ça. Dans toute radio net, je connais tout l'œil, je connais toute émission net. Il y a des gens qui ont dit que si je suis malade dans l'oreille. Parce que mon petit téléphone, a petit casse dans l'oreille, pas qu'on côté me passer pour me entendre de émission politique. Et ça qui cause, moi dis nous, moi j'ai une facilité pour me parler de politiciens haïtiens et journalistes traditionnels haïtiens. Parce que moi qui mode de fonctionnement, moi qui stratégie que vous développez, là vous avez besoin de démolir pays, moi qui stratégie que vous développez, là vous avez besoin de défendre intérêt patron. Je connais. Il y a un monde qui
tu as une ambition politique ou bien à militer des nèg qui a fait politique, non. C'est mon province que mien, pour venir porter pour se connaître. Yo vinn meto là comme si c'est vinn l'école là et puis organiser où et puis faire l'autre faire yo pas voir comme politicien. Parents en province, yo pas jamais penser même pour une seconde comme si ou doit l'entendre dans la politique. Pas même pas gagner la tête pointo. Et ben me dit que avec arrivé docteur Koni et n'a cherché connait qui est-ce qui Gary Koni. Je nos amis qui dit nous beto Gary Koni c'est petit yon Duvalier Ris. Ah, attendez bien oui. Et son proche François Duvalier qui papa Gary Koni. Attendez bien. C'est un proche Duvalier père qui était papa Gary Koni. Et on dit son nèg sérieux. Son nèg qui a caractère. Alors, c'est que nous dit que on monde proche père François. Là, il est clair pour que nous connaissons que nous n'avons pas l'autre mode de fonctionnement. Son monde sérieux pour qu'elle y ait. On sadique. Et on dit que c'est ton patriote. Et même si, Koni, il n'est pas pour docteur Koni. Il n'est pas pour docteur Gary. Mais espérez que Gary Koni a 58 ans. Monsieur travaille même, j'ai pas parlé pour quitter nos propre pour petite li. Monsieur, il y a chance ça. Haïti trouve le nom qu'à côté que, quel que soit action concrète opposée, qui est capable de permettre que Pep ça joue une possibilité pour le vacuer avec occupation librement, je ne vais pas mentir ou qu'à sortir comme un roi dans le pays d'Haïti. Les fêtes à Burkina Faso, actuellement là, capitaine, jeune capitaine Ibrahim Traoré, 33 l'année, fait un coup d'État. T'es un Poutchis qui te fait un coup d'État qui te prend pouvoir, Poutchis après les affaires, et bien lui-même avec l'équipe, lui retire Poutchis, il prend pouvoir. Actuellement là, à Burkina Faso, sous 10 moun, peut-être, si vous avez yon moun critique envers président de la transition, comme un chef, l'améen, qui c'est Ibrahim Traoré. L'extrêmement difficile pour jouer un Burkinabé hostile envers président. Parce que tout simplement, il y a une volonté réelle, et monsieur Fayou connaît que l'on a besoin. Ou bien riche. Pardon. C'est pas dans l'État. Pour venir riche. Vous avez besoin de faire l'argent. Ou rentrer dans le business. Ou investir. Ou travailler. Et pour faire profit jusqu'à ce que. C'était basé pour venir millionnaire. Mais dit question pour rentrer dans l'État. Ou avez tout privilège pendant le peuple a souffert. Ou pas encourager rien. Dans la production nationale de pays. Ou botter l'argent. Monsieur dit ça fini. Et ouais, c'est peuple là même qui a préjoui, c'est peuple là qui a bénéficié, et tout ça qui a posé comme action concrète, c'est peuple là même, c'est pour peuple là que l'a pillé. Et peuple là comprend ça. Ils ont supporté, monsieur. Avant hier, et peut-être, et bon, ouais, le 6 juin, Nations Unies a un rapport que le produit sous autorité gouvernementale Burkinabé. Rapport estimé que le. Il dit comme ça que au Wigi Bastonade cap fait gain violation systématique des droits humains cap fait et à Burkina Faso. Oh oh. Gouvernement pas même gétant pour répondre. Peuple souverain. Peuple souverain. Peuple burkinabéen déplacé. Côté jeune capitaine Ibrahim Traoré hein. Parce que m'a dit là me trouve tellement important, il faut que me ta mette et capitaine Traoré sur écran. OK? Permettez-moi ça parce que moi-même, son jeune garçon, et même j'avais même que monsieur. Et monsieur qui a 2-3 ans en plus, moi. Mais m'a dit nous que monsieur qui a caractère. Voilà. Bon, faut-il mettre monsieur sur l'écran. Camarade. Voilà. Je souhaiterais donc qu'on puisse rendre grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Qui nous a montré ce jour. Oui. Et qui nous a permis de nous retrouver ici. Très bien. Rendons hommage à nos FDS et nos vaillants VDP qui se battent au front, et c'est grâce à eux que nous pouvons nous retrouver ici pour communier. Rendons aussi hommage à vous, ceux-là qu'on a baptisé les Waïa, peuple, qui veillent jour et nuit. Vous qui veillez sur cette transition,
vous qui veillez sur l'itinéraire que nous avons tracé. Très bien. Merci beaucoup à vous. Très bien. Jeune capitaine Ibrahim Traoré, c'est lui qui sous écran là. Permettez-moi de faire tirer ça parce que nous avons parlé avec Dr Kony pour des ravettes qui pensaient que, avec l'arrivée Dr Gary Kony, nous-mêmes dans Infobeto, nous avons crampé pour nous faire bataille et avec la plateforme média en ligne contre Dr Kony. Attention, nous c'est monde qui est nous bien placé sous épaules nous. Et nous comprenons le combat que nous avons mené. Gros côté nous sorti, gros côté nous bralé. Au coup de la route, bien sûr. Nous avons des stratégies. Nous connaissons des nouvelles têtes qui sont venues. Nous connaissons des gens qui ont fait apparaître en face de nous. C'est pour désorienter nous. C'est pour faire nous comme Simdadjo. Et retirer conviction nous sous ligne qui, sous itinéraire qui était tracé. Mais par conséquent, je dis, monsieur, c'est comme Simdadjo, son rail train. Son rail train, nous chita sous lit. Et nous bien chita. Et rail là, je le fais là, pas une possibilité dans la route pour nous dérouter, pour nous dérailler. Nous avons seul côté de bralé. Oui, il y a des côtés, il y a des hauts, des bas, peut-être. Nous sommes capables de faire ralenti pour nous comprendre et route l'ampi bien. Mais naturellement, nous avons côté de bralé, nous avons destination. Eh bien, moi, je dis que je suis très bien, jeune capitaine. Parce que je parle de conviction, les gens qui remettent les peuples, les gens qui ont des possibilités pour faire des choses pour payer. Et vous prenez pays à vous faire des choses concrètement pour payer. Jeune capitaine, il doit vous permettre de prendre un exemple. Il est vivant, ça est clair, devant tout le monde. Et actuellement, là, à Burkina Faso, maman Pemba, m'a dit, ça, moi, qui passe passé dans le pays, ça, va être chargé. Vraie coopération entre la Russie, okay, la Fédération de Russie, et trois pays, ça, qui mettent tête ensemble, qui forment la AS, là, qui c'est Burkina Faso, Mali, et puis Niger, avec Général Tchani, qui fait coup d'état tout dans le pays Niger. Est-ce que vous comprenez? Gagné au Mali. Et tout et jeune colonel Assimi Goïta qui fait coup d'état tout qui prend le pays nèg yo te gen coopération avec la France comme si des dizaines d'années qui va jamais porter résultat même bon seconde théorie ça va envahir pays théorie des plus matériel que force de l'autre pays et ben nèg ça a décidé que eux même en tant que militaire qui est dans la mer qui gen information tout yo dit que yo pral démanteler ça. Et nèg yo prend contrôle l'état pays yo, peuple yo avec yo, et yo décide pour que yo retire pays yo en bas les belles la France. Et nèg yo prend direction la Russie. Et ben dans moment n'a parlé là, pour moi même c'est vraie coopération. Là on fait coopération militaire avec la Russie. Et ben côté m'a parlé avant là. Nèg yo a doté l'armée yo de tout matériel que yo l'armée besoin. Ça veut dire de tout matériel que yo l'armée besoin. Cordi génie, tout bagay net qu'on est matériel sophistiqué. Et yon prend des techniciens russes qui pour rentrer à Burkina Faso, au Niger, au Mali, qui pour venir faire formation pour jeunes yon, ok? Pour permettre yon moyen ou bien manévré matériel sa yon. C'est non moins que 3 semaines, oui. Formation faite, l'orée de jeunes qui étant, comme Simdadjo, ap manévré, on sait d'hélicoptère, de combat. Est-ce que vous comprenez? Avion de combat. Manœuvre drone, non, c'est des drones tactiques. Ok? Ça veut dire que c'est des têtes chargées, c'est des vraies coopérations. Et monsieur font bagaille tout. Monsieur vise la production nationale. Ah, papa. Monsieur a pas encouragé le côté que l'État a décidé pour l'investir dans la production nationale. Et tout Burkinabé, la paysannerie Burkinabé, et qui pas, alors, qui était abandonné complètement. Les oubliés de la République, nous capables de nous permettre de dire comme ça. Nous sommes dans la province que l'État n'a pas ensemble avec vous. Mais c'est pour la première fois. C'est pour la première fois que vous sentez que vous avez en valeur. Ok? Vous sentez que le président vient jouer dans le champ. Le président met le matériel à la disposition. Il m'a montré comment vous manœuvrez. Le président est à pris le canal pour mettre de l'eau pour vous. Et je dis que ça, que faut gagner autosuffisance et alimentaire. Il a produit manger la caillou. Son jeune garçon. Il est black, même j'avais non. Il y a un compatriote africain même avec nous. Qui prend des pays là en main. Pas oublier. L'autre dit Burkina Faso, où ils sont pays, qui ont des gens qui sont passés dans la tête, qui ont un caractère, qui sacrifie vie pour le pays. Il y a un général. Et Thomas Sankara, qui te prend même chez Messawa, monsieur prend là. Il est arrivé à assassiner le système dans l'évangile. 30 ans, 32 ans après, mes révolutions Burkina Faso,
l'a fait concrètement. Ça veut dire que l'idée ou révolution, ou qu'a touye des éléments, moun qui pote l'idée, ou qu'a tuye l'idée. Ok? Ou qu'a tuye moun qui parle, qui pote l'idée, ou qu'a tuye moun qui prône l'an, ou qu'a tuye moun qui encourage moun rentre là-dedans. Mais écoutez bien, ou pap qu'a tuye l'idée. Révolution Burkinabé, révolution Burkina Faso, révolution pour libération Burkina Faso, révolution pour que nous pour nous retirer Burkina Faso en bas les belles ou bien sous titre la France. Papa haïtien, li fait en 2023 définitivement. Li fait et Nations Unies gon focus sur pays ça yo, yo di yo pa ori des Nations Unies. Yo même mandé pour Nations Unies quitter pays même. Parce que peuple là devant au commissariat des droits de l'homme et non Burkina Faso peuple a demandé même j'ai demandé la France pour quitter pays hein il demandé Nations Unies pour la guerre parce que quoi que depuis d'être mourir en bas balle terroriste Nations Unies juste à bail bilan quantité cadavre mais il va jamais aider yo sortir dans ça ça veut dire que ça passé bon politique qui fait qui part en faveur. Mais peuple ça yo ce que nous même n'a subi en Haïti tout et c'est très intéressant pour que naturellement pour nous faire parler de ça mais m'a dit nous que honnêtement ça n'a vive journée jodi an et li pa date jodi a c'est parce que même bagala pour Burkina Faso et c'est même bagala pour nous tout parce que assassinat père fondateur nation ça qui c'est Jean-Jacques Dessalines ou capable comprendre c'est même lutte que Thomas Sankara t'a mené ou assassiné mais 30 ans après Thomas Sankara non seulement ou est justice là la blaye sur tout pays mais ou est l'idée monsieur hein ou est l'autre jeune capitaine qui prend bataille et ou est capable parler même parole là OK capable parler même parole là et qui décide de faire révolution hein, pour tout bon. Et li dit que politicien Rado Kale Vermine avec journaliste traditionnel yo média traditionnel yo li mande yo ba yon brik monsieur mande yo ba yon brik avec qui sont va vinn faire lobby gérer l'opinion pour faire macaque temps payant monsieur dit regardez suspend ça monsieur interdit automatiquement est-ce que nous comprenons ça veut dire que monsieur besoin sauver pays ya. Et ça sauver pays là. C'est pas oublié, son c'est militaire, son coup d'état militaire, son pouvoir militaire. Les audios même qui c'est journaliste traditionnel, qui travaille pour un système depuis 30 l'année, qui pas porter résultat, qui met au peuple dans une situation difficile même j'avais nous pays d'Haïti. Le audio campé avec micro là, suspend faire son affaire parce que yo comprennent nous. Mais leur continuer, militaire là pas joie. Militaire pas jamais donner de parole. Il dit oui, il dit non. OK, surtout lorsqu'il est militaire prend pouvoir à travers un coup d'état, wesh maman, ou pas casse pas combat ça. Vous comprenez? Eh bien, ça qui passe. Monsieur prend pouvoir, mais ça fait des bagages concrètement. Monsieur Jean Burkina Faso, qui tête en bas, peut pas qu'à souffrir encore. Eh bien, monsieur dit, lui-même le compte douleur, le compte gang ou en sauté à terre, l'a fait des bagages concrètement, il prend l'état. Eh bien, monsieur, a fait des gros bagages dans le pays Burkina Faso. Moi, prends ça, c'est parce que nous prenons parler de Dr. Gary Koni et pour toutes les amis. Cap supporter plateforme ça l'émission sorti que nous partager tout côté nous faciliter plus monde capable participer ensemble avec nous on pourrait permettre nous comprendre plus bagage de ça qui passer dans pays d'Haïti même pour nous comprendre mieux m'a fait nous comprendre en réalité et comment l'on dirigeant prend pays en comme si il prend pays en charge il prend responsabilité en charge il prend ce pays en main. Et qui comment doit parler qui m'a des discours qu'il doit guerre nous prenons le temps de pendant quelques minutes en attendant moi rentrer dans dossier docteur Gary Koni état santé li qui ça qu'va le fait qui ça doit faire et dossier qui est pour avec dossier justice et président Jovenel Moïse là côté que eh ben la justice dans l'état Floride dit par la peau campé là a qui choy toujours et m'bra ba nous ça me gagne même comme l'ancien m'ba ba nous menti. Bagala plus que compliqué pour les assassins de Jovenel Moïse. Et m'a commencé à dire, depuis ces nègres avec femme, qui te gèmè ou trempé, l'assassinat président Jovenel Moïse, m'a dit nous ça concrètement.
nous mettons commencer à préparer nous. Nous tous apprenons prison. Nous tous net apprenons prison. Nous qui te dépensé des millions de dollars américains pour te payer, pour te faire mercer dans Colombie, rentrer dans le pays. Fin de président, même si nous avons fait toute stratégie net pour nous te casser, pour nous ne pas quitter trace, nous garantissons. Yo connaît nous. Et l'opinion publique connaît nous tout. Pas de doute dans ça. L'opinion publique connaît nous. Jean Capitaine Ibrahim Traoré, n'a pas tourné sous le dossier assassinat président Jovenel Moïse, en nous tendant ça avec un peu de terrain. Très important. Mais que nous comptons déjà, mais il faut nous comprendre. Ça que me dit, nous avons raté vocation. A jamais Aristide fait mal, pas oublier, non? 1994, Aristide crase l'armée. Peut-être une décapité de fait. Mais pas oublier. Ça veut dire que m'tape guette dans l'armée. Ah, mon chef, fais respect, non. T'as pour militaire, mon chef, t'as pour le comme là, c'est sous capitaine d'appié. Capitaine, vous voyez, est-ce que vous avez casé la main encore? Ou même mon soldat, t'as comme moi, t'as dans l'armée. Pour ne pas dire que vous avez casé la main. Non, vous avez casé vous-même. Ah, si t'as casé d'abord, vous avez casé la main. Dimanche 9 juin. Dimanche 9 juin 2024. Et. M'a dit nous bonjour, bonsoir tout le monde, débat d'amende qui connaît que l'heure, ou attendez nous, et ou regardez nous, encore une fois, c'est un plaisir pour moi, pour que m'ensemble avec nous, sur la plateforme Panoua, qui est plateforme Maman Peba, plateforme Pays Poté, plateforme qui pas pêche à plateforme Gabdi Djani, plateforme qui croit dans la vérité, plateforme qui croit dans la bataille pays, plateforme qui croit que c'est avec combat que nous avons mené dans la bataille pour que nous jeunes vérité, ou bien justice pour le président Jovenel Moïse, et que nous capable permettre que le pays sorti la situation difficile, effectivement, qu'il trouve là. Et docteur, et Gary Koni, état de santé li, n'a pas tourné sur lui tout à l'heure, mais peut-être, faut qu'on comprenne, l'on joue un champ libre, comme on capable de paix pour sortir dans une situation difficile. Capitaine Ibrahim Traoré, jeune Burkinabé, actuellement là, qui peut-être dans 35 ans, ok, qui prend de ce pays la main, et peuple il décide pour que, il dit, il n'y a pas besoin d'élection, peuple a décidé à l'unanimité, il dit, ok, ben, monsieur là encore pour 5 ans, après 5 ans, si possible, pour demander élection, peuple a dit la prendre élection. Mais le bail mission mandat 5 ans dans moment par là voilà full pouvoir bravo avec Burkina Beyo bravo avec frère africain bravo avec jeune capitaine Ibrahim Traoré chapeau bas respect pour vous un bon capitaine un bon général qui c'est commandant chef l'armée Burkina Beyo maintenant en de capitaine là. Je souhaiterais donc qu'on puisse rendre grâce à Dieu qui nous a montré ce jour et qui nous a permis de nous retrouver ici. Rendons hommage à nos FDS et nos vaillants VDP qui se battent au front, et c'est grâce à eux que nous pouvons nous retrouver ici pour communier. Rendons aussi hommage à vous, ceux-là qu'on a baptisés les Waïa, qui veillent jour et nuit. Vous qui veillez sur cette transition, vous qui veillez sur l'itinéraire que nous avons tracé, merci beaucoup à vous. Remercions ici donc nos autorités coutumières et religieuses qui ne ménagent aucun effort pour nous accompagner pour la mobilisation des jeunes à être engagés donc au sein des VDP qui aident les FDS sur le terrain. Merci beaucoup à tous d'être là. Nous ne pouvons pas faire une révolution sans communiquer. Justement. Certains diront qu'il ne faut pas trop parler, mais lorsqu'on ne parle pas, c'est la manipulation qui prend le terrain. Exactement. Pas moi ça qu'elle me dit non. Là nous avec Philippe a parlé pour un respect. Oui, au révolutionnaire pas qu'à parler. S'il pas parler, qu'est-ce qu'il va parler? S'il pas parler pendant que au même dans les médias traditionnels là utiliser micro là avec radio là pour bailler bec fait détracteur assassin criminel yo micro pour faire toute qualité et pour faire toute qualité de déclaration pour au moins et manipuler peuple plus davantage. Mais me dit comment Guy Philippe il doit parler et même te dit un peu le monde qui compare capitaine alors comment Guy Philippe avec jeune capitaine Ibrahim Traoré Guy Philippe pas dans la police Guy Philippe pas dans l'armée Guy Philippe a gen l'état nan men. Si Guy Philippe gen l'état, gagné organe répressif l'état, gagné ça nous capable les forces de la force de l'ordre l'état en plein mel. Là comme ça bataille là t'est fini et pas t'ap gen trop bagaille. Guy Philippe t'ap gérer ça. Mais pas oublier et les différents complètement
et par rapport avec Guy Philippe et capitaine Ibrahim Traoré. Capitaine Ibrahim Traoré même avantage gagne ligue peuple avec hein peuple souverain on va camper presque l'unanimité et peuple gagne conviction il prêt pour mourir pour ça ouvrir et en plus de ça monsieur son militaire gagne la main avec la main solide avec monsieur dis moi qui ça monsieur besoin faire dans pays pour penser qu'il va faire qu'est-ce qui a empêché le qu'est-ce qui a empêché le ou pas capable bloquer le juge qui a protégé volet monsieur tout doux attention nous sommes des militaires et nous gain oui nous gain non OK la patrie ou la mort nous vaincrons jeune capitaine Ibrahim Traoré. Comprenez quelque chose. Le père de la révolution communiquait beaucoup. Je parle ici de Thomas Sankara. Thomas Sankara. Dans l'un de ses propos, il vous disait ceci. L'impérialisme est un mauvais élève. Lorsqu'il est chassé de la classe, il revient toujours. Et je me souviens qu'à son adresse, à ses compères donc de la CEDEAO, il disait que pour rompre le cordon ombilical qui nous lie à l'impérialisme, n'allez pas chercher une maïticienne d'État avec des doigts futés et un ciseau bien aiguisé pour rompre ce cordon. Mais plutôt, il vous faudra un bûcheron robuste avec une hache bien aiguisée pour donner un coup sec et rompre le cordon. Exactement. Quand vous allez bien, moi-même, dis-nous ça très bien. M'allez chercher et vidéo ça. C'est sous des pages et youtubeurs africains et puis des jeunes qui n'ont Facebook tout et africain. Y aurait le monsieur réincarnation de Thomas Sankara. Jeune capitaine Ibrahim Traoré fait une déclaration devant alors non 55e assemblée générale Rousseau Africa. Monsieur devant président Poutine monsieur fait une déclaration dans l'assemblée à côté qui est près de 50 ou 55 chefs d'État africains. Assemblée en fini. Il y a une rencontre qui était prévue à faire. Mais Vladimir Poutine décide spécialement pour le gon tête à tête avec jeune capitaine ça qui c'est Ibrahim Traoré. Dans tête à tête là, monsieur sorti avec une enveloppe. L'aime dit nous, et par là, j'en cache non. Mais sauf que ça qui signe, c'est des milliards de dollars américains. Coopération, matériel pour l'armée et de l'autre bagaille dans le secteur agricole. Et si peut-être n'est qu'à joindre déclaration, on peut mettre tout à l'heure, ça toujours mal cherché. Assemblée générale, ça qui était fait dans le pays là aussi, pour moi, si je joue, intervention jeune capitaine Ibrahim Traoré. Bon, cherchez pour nous, pendant qu'il attendait, capitaine, nan. Avec un peu d'intérêt, puis partagez pour nous, et en attendant, nous rentrer dans le dossier, état de santé, et PM Garigoni. Nous rentrons dans le parce que y a un pile, et petit dossier, petit état qui vient de nous, t'assembler, PM dans le pour quitter l'hôpital là. T'assembler. Et sauf que l'irrité pour nous, pour une confirmation, avec Zamino, et qui a alors, et qui se yeux nous avec Zoé en bas, mais qui a travaillé le dossier de très très, 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 très près. Et kaba nou bon jan et information ou du moins évolution dans quatre dossiers ça en avance attendre et capitaine Ibrahim Traoré et puis par la suite pour aller dans intervention et alors dans sa gain pour avec dossier pays d'Haïti mais nous va chercher discours ça qui était fait sur tribune et nation alors capable dit et dans pays là aussi dans pays là aussi on dit comme ça en dedans ça. Cela veut tout dire. Je m'en vais vous expliquer un peu comment est-ce que l'impérialisme
se comporte. Après l'assassinat du père de la Révolution, justement, le régime qu'avait voulu l'impérialisme s'est installé. Dans les années 90, vous vous souvenez tous d'un programme qui nous a été imposé, le programme d'ajustement structurel. C'était qu'un plan. Je vous explique. En mettant en place ce programme dans nos contrées, vous avez remarqué au fil des deux décennies qui ont suivi, toutes nos usines qui étaient en place ont été privatisées. Notre économie a été déstructurée. Ils ont mis en place un système néocolonial, un système de capitalisme sauvage qui ne profite qu'aux dirigeants et leurs amis, un cercle restreint. Est-ce que nous comprenons ce que ça veut dire? C'est la réalité nous-mêmes que nous avons décrit là. René Préval, font seul avec les oligarques corrompus, nous avons pris toute institution de l'État, tout ça l'État de gagné, nous privatisé. Nous privatisé. Nous avons avec des nègres qui sont dans le secteur privé des affaires. Pour venir vendre qui est, même peuple ça. Pour venir vendre qui est, même l'État ça. Qui est-ce qui comme client? L'État. Personne n'a pas posé question. Mais qui est-ce qui est passé par la question parlement? Des sénateurs, des députés, des sénateurs. C'est même nègre qui l'a depuis 30 ans. Je veux dire, mais Haïti. Tout le monde qui a fait deal, ça, c'est ma vie, c'est multimillionnaire et même milliardaire. Il a détruit tout au pays pour l'argent. Mais c'est ça que monsieur, les mêmes lits, dans le pays de Burkina Faso, monsieur, prenez ce pays-là en 2022. Là, maintenant, nous sommes en 2024. C'est Wash Maman Kabay à Burkina Faso. Monsieur, contrôle le pays, il n'y a pas la voie là. C'est qu'on l'armée définitivement qui dote tête de matériel solide, ce qui est matériel solide pour la mêle, eh bien, Mbaba nous menti. Et monsieur, il y a deux pays encore qui collent avec elle, qui mettent tête ensemble, c'est Wash Maman Kabay. À savoir Mali et puis Niger. En avance. Du côté des forces, ils ont tout fait pour déstructurer nos armées. Ils ont dit de baisser le budget des armées, de ne plus les équiper, de ne plus s'entraîner. Ce qui a été fait dans la sous-région. Nos armées ont été réduites en néant. Ils préparaient la chose. Attendez, oui. Impérialistes, avec l'équipe qui est sur le terrain, ils ont affaibli l'armée. Ils ont dit pour ne pas avoir matériel avec l'armée. Pas équiper l'armée. Négliger la meilleure considérablement. Pendant qu'il a négligé la meilleure, et puis gang nan terroriste la monté dans le pays. La monté. On a dit ça que fait. Aristide crase la meilleure en 1994, il mette la meilleure rouge. Il crase la meilleure d'Haïti, il mette la meilleure rouge, et puis il mette la meilleure d'Haïti. Alors, il mette la meilleure manchette, et puis par la suite, il mette la police. La police prend naissance avec le police là, dans même année, c'est du frère. La meilleure rouge, la meilleure manchette, et puis la police. Mais vous crasez la médaille d'Haïti. Depuis là, c'est route ça qu'une prend. Et route ça, mais côté le mené nous, en Haïti. Jean-Bertrand Aristide a vivre toujours. Parce que personne qui j'en pose la question. Jeune capitaine Ibrahim Traoré. Maintenant, je dis quoi pendant que le capitaine est sur l'écran. Permettez-moi et faire nous tendre des déclarations que M. Tu fait. Non, et je suis capable de dire. Et dans le pays là aussi, devant le président Vladimir Poutine, il s'est fait trembler le panel là. Monsieur fait Vladimir Poutine, demandez monsieur pour que vous fassiez monsieur Bali dans espace privé pour parler à deux. Et vous avez parlé qui choye. Entendez, qui déclaration que capitaine Ibrahim Traoré qui n'a pas gardé sur l'écran, qui fait dans le pays là aussi. Attendez ça. Pardon? Question donc de ma génération oblige les droits d'aînés, je me dois de m'excuser. Très bien. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération, mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille.
On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde, qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que nos chefs d'État traversent donc le monde à mendier? À mendier. À demander tout côté. Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Très bien. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Très bien. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos devanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Justement. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagés à prendre les armes face au terrorisme, ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant. Parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, pas la veille, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quel droit de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi des céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains, parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps est imparti, est très court,
nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Mm-hmm. Gloire à nos peuples, mm-hmm. dignité à nos peuples, victoire à nos peuples, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades. Voilà. Vous attendez, jeune capitaine Ibrahim Traoré, c'est lui-même que vous attendez là, dans et audio ça. Devant président Vladimir Poutine, bat président Poutine, bat bravo, la contentement parce que monsieur fait une déclaration tête chargée et monsieur clair devant et les chefs d'État restent avec africains yo. Et qui mettait au service de et Colombe là, ça veut dire la France surtout. Et cap multimillionnaire mais peuple yo nan souffrance en gros extrême parce que nèg yo gon même stratégie politique là, politiciens ça yo remet ou les peuple a demandé yo. Vin massé devant radio, maintenant radio m'a demandé de yo tel, mais yo pas créé condition pour peuple là lui même ni capable voler des propres ailes. Et ben c'est ça qui fait la différence entre jeune capitaine Ibrahim Traoré, réincarnation de Thomas Sankara avec les chefs d'État restés avec africains ça yo. Et ben vin fait que c'est qu'il y a des gros menaces sous dol, c'est dit là pas affronter parce que les c'est militaire, il y a la mêle derrière, il y a des armes, il prêt pour affronter quel que soit monde pour combattre l'IA, cap combattre l'IA, cap combattre peuple l'IA. Et ben déclaration ça te met en pile tête chargée. Dans le continent africain. Et tout chef d'État reste avec eux, estime que monsieur prend contrôle pays là dans main yo. Et c'est toujours même bagarre hein? Pour Niger, Niger son gros pays, OK? Et général Tchani qui font coup d'État qui prend pouvoir et même pas nous mentir, c'est des décisions drastiques qu'a prend et paysan sous vers une stabilité généralisée parce que ou est tout et rayou a mettre pour que nèg capable mettre pays en sous rail pour redémarrer pays. Ça veut dire que c'est des africains qui responsables qui t'en qui ouais pays pas qu'à souffrir encore qui veut peuple pas qu'à souffrir encore et bien décider prendre de ce pays mais malgré c'est dans cadre un coup d'état mais n'importe niveau que Jean Kelier depuis capable porter résultat pas de problème parce que nous même ces résultats n'a cherché. OK, depuis coup d'état capable ba nous stabilité ces résultats n'a cherché. Nous avons besoin de solution définitive. Et vous faites coup d'état, vous n'avez pas assassiné le président. Alors ça, ma banane comme rappel. Vous n'avez pas assassiné le président. Vous prenez le pouvoir, mais vous n'avez pas assassiné le président. Oui, il y a des soldats qui tombent parce que dans l'échange de tir, et pas de pagaie, moun est victime. Il y a des victimes. Il y a des victimes, bien sûr. Mais sauf que, vous n'avez pas connu la quantité. Vous n'avez pas connu. Militaire vidéo à terre. Pardon. Militaire vidéo à terre, il n'y a pas quitté l'espace, non? Depuis que je prends la parole à vous, oui. Et bien, c'est jeune capitaine Ibrahim Traoré qui est sur l'écran là, qui a parlé là. Entendez, c'est parti ça, et puis à la suite, nous avons tourné pour le dossier de Dr. Koné là. Qui fait nous connaître qui t'a doué quitter l'hôpital là, jeudi dimanche là même. Pendant ce temps, les grands pays comme le Niger, le Mali ont connu une résurgence de ce qu'ils ont appelé des rébellions. Des séparatistes venus de nulle part ont tenté de diviser ces pays. Ils n'ont pas réussi. Mais l'aboutissement de leur plan était qu'à partir des années 2010, c'est-à-dire 20 ans plus tard, que le terrorisme s'invite dans nos terroirs. Effectivement, on l'a vu naître 20 ans plus tard. Des individus ont été choisis et on leur disait juste: allez-y les combattre, leurs armées sont déstructurées, nous avons travaillé à ce que cela arrive. Ils ne pourront jamais vous arrêter et vous allez les imposer ce que nous voulons. Ces individus ont recruté de jeunes innocents, ignorants, dans nos différentes campagnes, à qui ils injectent la drogue et les amènent à tuer leurs compatriotes. Et le mal est né. Comment est-ce que ces individus ont été entretenus? N'oubliez pas, ici au Burkina Faso, on hébergeait des chefs terroristes. Ça a été bien planifié. Et comment y arriver? Lorsque ces terroristes vont se lancer, il y avait quelqu'un qui pourrait peut-être intervenir à la faveur de nos États. Je nomme ici le feu général Muammar Kadhafi. Il fallait l'éliminer. Et un beau jour,
ils sont tombés sur lui. Ils l'ont éliminé. Ils ont encore eu dans ce plan l'ingénieuse idée de mettre toutes les sources d'armement et de munitions à la disposition de ces terroristes qui devaient donc déstructurer notre sous-région. Le plan était parfait. Et dès lors, ils se sont mis en ordre de bataille. Ils ont commencé à descendre vers le sud. Nous nous souvenons encore, lorsque le régime en place à Bamako en son temps a fait appel donc à des forces étrangères. Il ne fallait pas plus que quelques heures qu'ils se déploient. C'était bien préparé. Ils se sont déployés et ils ont fait semblant d'arrêter le terrorisme. Et immédiatement, nous avons vu l'installation de plusieurs forces étrangères au Mali pendant 10 années. Pendant ces 10 années où le terrorisme était contenu au nord, s'est invité au sud et le Burkina Faso a été infesté à partir de 2015. Allez, oui, c'est même cas de figure là, c'est même bagaille là. Yo font façon, yo affaibli force de l'ordre et puis nèg qui gen conseil de nèg qui dans secteur privé les affaires qui soit dans business dans pays, c'est au qui gen contrôle port aéroport, ça me rentre pas si pas là dans pays là joindre des petits jeunes garçons qui mal comprennent yo les yo. Bon franchement des ignorants dans quartier populaire, yo mettez gros âme dans meyo et ben nèg yo prend pays en otage. Et puis par la suite pour faire appel avec une force multinationale. Eh ben dans le pays d'Haïti, c'est exactement ça que jeune capitaine Ibrahim Traoré a expliqué là, qui fait dans le pays que nous-mêmes nous vivons en Haïti chaque jour plus. Dans le pays, ils ont écrasé, ils ont démoli, ils ont tué le président, et puis par la suite, pour y avoir un stical et paix d'esprit, paioua, stabilité paioua qui ont besoin pendant une durée, parce qu'ils n'ont pas besoin de stabilité en permanence, ils ont relé une force multinationale venue. Après ça, ils ont même encore. Il va le faire même peuple s'arrêter à bas que son bagaille force multinationale pour voir l'aller. Le fin voir l'aller, il va le faire en 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y a 20 ans, 5 ans pour tout le monde. Et puis après ça, il y a même encore pas besoin. On groupe l'envie pour tout le monde qui a 20 ans pour être capable de toujours exister, même pour être toujours pour le pays. Vous nous comprendre la réalité de là. C'est ça que même toujours invité nous. Attendez. Et intervention jeune capitaine Ibrahim Traoré, parce que il y a pile bagaille que M. dit. C'est exactement ça qu'on a vécu dans le pays d'Haïti. Ils sont blacks. Ils sont frères africains. En dedans d'elle. Parce que pas en pile. Tout était bien planifié et bien pensé. Je me souviens encore quand nous étions à Ber, au nord de Tombouctou. On voyait donc des forces spéciales de ces pays-là venir nous dépasser, aller plus en profondeur. Et à leur retour, ils étaient tout rouges. Ils ont des petites machines de foreuse et bien d'autres équipements de géologie que nous contemplons. On se demandait où est-ce qu'ils gagnaient cette terre rouge, parce qu'en patrouillant autour de Ber, nous n'avons pas de terre rouge. Peut-être qu'ils creusaient, ils sondaient, nous ne savons pas de quoi il s'agit. Le ciel malien n'appartenait plus aux Maliens. Tout était bien pensé. Lorsque des gens qui combattaient sur le terrain ont fait aussi le constat, ont décidé à un moment donné de prendre les responsabilités et les voilà sortis de nulle part. On nous traite de putschistes. Nous ne sommes pas français, nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. Et les valets locaux, qui sûrement ne comprennent même pas le sens profond du mot, nous appellent aussi putschistes. Très bien, on se l'approprie. Au fil de ces années, pour ce qui concerne le Burkina Faso, vous avez dû remarquer, tous les corps ont été déstructurés. Plus d'entraînement, plus rien pour l'armée. Ils ont imposé dans tous nos états-majors, toutes nos écoles et toutes nos structures stratégiques, ce qu'ils ont appelé des conseils militaires. Lorsque nous nous sommes révoltés le 30 septembre 2022,
La première des choses était de chercher à savoir qui sont ces conseillers militaires et où ils étaient. Nous avons donc pu identifier que le mal est profond. Et la première des choses était de leur demander de quitter notre armée. Ils sont partis. Et ce que je vous disais il n'y a pas longtemps, vous ne pouvez pas espérer retrouver votre objet perdu en faisant appel à celui qui vous l'a volé de venir vous aider à le chercher. Voilà. Comment on peut comprendre ces mêmes politiciens criminels, assassins, gangs sales qui mettaient Haïti dans l'état ça? Et puis c'est eux-mêmes encore qui font appel avec force pour venir aider eux, comme si nous avons dit que c'était ça. Même les gars qui finalement osent, comme si comme si pour la première fois, obligé à admettre que c'est eux-mêmes, dans la bataille, dans ça nous capable de concurrence déloyale, dans la bataille pour ça faire business, l'argent, le commerce, ils ont payé toutes les âmes, ils ont payé dans l'état ça. C'est même yo même encore cap écrit président William Ruto pour dire comme ça que vina force la rapide pour nous vina vel rapide pour nous pas attendre encore c'est yo qui baise am dans tout pays là c'est yo qui prend port l'état yo privatiser yo pour rentrer zam avec balle pour vendre dans pays c'est eux même encore qui besoin force vinn tourer gang pour yo même qui a toujours existé faut yo ta mourir tout c'est que pays qui a fait capitaine en parler. Il fallait dès lors décider, prendre des décisions courageuses. Ce que nous avons décidé de faire, ça n'a pas été sans conséquence. Parce que lorsque nous avons déjà demandé aux conseillers de partir, nous avons senti des manifestations. On nous a fait comprendre qu'on ne pourra pas s'en sortir sans eux. Mmh. Et à chaque fois qu'ils nous le disaient, ça s'est traduit par des attaques d'envergure sur le terrain. Nous avons bien reçu le message. Lorsqu'à l'orée donc de l'année 2023, nous avons décidé de dire donc aux forces étrangères présentes ici de partir parce que nous voulons lutter en Burkinabé. Très bien. Ils ne l'ont pas sûrement apprécié. Mais pourquoi venir mourir sur nos terres pour nous? Nous préférons combattre nous-mêmes. Nous avons demandé à ce qu'ils retournent chez eux. Malheureusement, je vous le dis ici aujourd'hui, comme j'aime le dire, la colonisation est rentrée. Il y a des esclaves de salon qui n'ont toujours pas compris. Mmh. En son temps, des officiers militaires nous ont écrit et nous ont approchés pour nous dire que c'était une très mauvaise décision et que nous n'allons pas tenir 2 mois. Des fiches ont été écrites. On nous a transmis ces fiches pour nous faire une analyse stratégique de leurs pensées. Nous avons dit, c'est soit nous sommes souverains ou nous restons esclaves à jamais. Effectivement, lorsque le dernier soldat a quitté le Burkina Faso, nous avons compris de quoi est-ce qu'il s'agissait. Les attaques se sont enchaînées immédiatement. Deou, Tinakov, Partiaga, ainsi de suite. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que le peuple du Burkina Faso avait compris notre message et s'était engagé sur la même voie que nous. Bataille. Nous nous sommes réorganisés rapidement et subitement. Nous avons constaté que toutes les cellules dormantes terroristes se sont réveillées au Burkina Faso. On a réorganisé l'armée au plus vite, à une vitesse inégalée. Mm-hmm. Nous avons créé plusieurs unités, et même si plusieurs autres sont à venir, nous les avons équipées. Et aujourd'hui, cet équipement se poursuit. Mm-hmm. Parce que dans les jours à venir, les mois à venir, mm-hmm. ce que vous allez voir venir au Burkina Faso bien. Doit faire de notre armée une puissance à craindre. Est-ce que nous comprenons la qualité bravo, la contentement qui a battu des peuples dans le Bagouaouna?
nous n'allons pas lésiner sur les moyens. Nous avons compris que le combat qui est engagé contre l'impérialisme sera dur, très dur. Mais seuls les durs vont passer et les Burkinabés sont des durs. Et nous allons passer. Est-ce que vous comprenez ? C'est pour vous dire que l'impérialisme a tout son temps. Lorsqu'il veut déstabiliser, il regarde dans l'immédiat. Si ce n'est pas possible, il pose les jalons pour le faire dans 10 ans, dans 20 ans, 30 ans. Très bien, c'est clair. Parce que ça qui passé. Mais si mettons en situation en place, yo ouais, pour yo détruire Haïti, yo commence son côté. Yo pose jalon hein, avec arrivé Jean-Bertrand Aristide. Yo établi le net avec décision que yo fait Aristide pour craser la mer en 1994. Depuis les jalon a pas avancé, nan men ki côté le mené nous en 2024. Tout nèg yo multimillionnaire payant a souffri, peuple en souffrance, tout le monde pauvre, tout le monde qui est décapitalisé, et puis c'est un groupe volé, criminel, assassin seulement, son système qui établit. Et c'est ça que nous avons combattu dans le pays, là, qui n'est pas d'accord, même si c'est décidé de mettre des âmes sur le monde qui n'est pas d'accord. Mais il n'a aucun intérêt à ce que nous, nous soyons indépendants. Aujourd'hui, tout ce qu'il souhaite pour le Burkina Faso, c'est le chaos. Parce qu'ils espèrent faire venir ces forces étrangères ici et espérer récupérer la situation dans 10 ans, même dans 20 ans. Mais nous ne les laisserons jamais parvenir à cet objectif. Voilà pourquoi nous avons mis en garde pendant plus d'un an les valets locaux, les esclaves de salon, pour que ils ne trahissent pas leur patrie au profit de l'impérialisme. Certains ont compris, se sont rangés. D'autres n'ont pas compris, peut-être se croyant plus malins. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de sentiments sur ce volet. Quiconque va trahir sa patrie au profit de l'impérialisme, il sera traité comme tel. Revenons à notre fameuse CEDEAO. Depuis que nous avons décidé de quitter la CEDEAO, les esclaves de salon ont été actionnés partout. Ils veulent faire peur au peuple. Ils veulent faire peur à tout le monde. Dieu merci. Dans un passé récent, il n'y avait qu'une poignée de gens qui avaient droit à la parole. Sur les plateaux télé, c'est ce qu'ils se disaient, qui était donc pris pour évangile. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, qui ont bien sûr des avantages et des inconvénients, tout le monde a droit à la parole. Et je pense que les Wayiens sont les premiers à confirmer cela. Chacun peut faire son analyse sur une situation. On peut certes se tromper, mais lorsqu'on vient vers nous pour comprendre, nous sommes bien ouverts pour vous expliquer les démarches. Ici, nous allons vous expliquer pourquoi nous avons quitté cette CEDEAO et vers où nous partons. Souvenez-vous que c'est en 1975 que ça a été créé. Et ça a été créé pour la majorité des chefs d'État, putschistes, comme ils aiment le dire. C'était des militaires qui ont pris le pouvoir et qui ont pris les responsabilités pour créer la CEDEAO, pour qu'il y ait un véritable essor économique des peuples à l'intérieur donc, de cet espace. Plus tard, les soi-disant démocrates se sont invités donc, à la tête de nos États. Ils ont vidé complètement la communauté de son fondement. Lorsque le 26 juillet, le Niger a décidé de prendre son destin en main. Nous étions surpris de voir la CEDEAO
apparaître de je ne sais où avec une force en attente. Où était cette force? Mm-hmm. Lorsque des milliers et des milliers de Nigériens étaient tués par les terroristes. Où était cette force? Où était cette force lorsque des milliers de Maliens et de Burkinabés mouraient sous les balles des terroristes? Où était cette force? Ils ont dit que par la force, ils allaient déloger donc les vaillants fils du Niger qui ont pris le destin en main du pays. Croyez-vous que ce sont des femmes lettres qui sont au Niger? Il y a des combattants là-bas. L'armée nigérienne est guerrière. Ils combattent depuis des années. Ce n'est pas une armée de défilé ou une armée de maintien de paix. Et les armées de l'AES ont décidé de s'unir. Nous attendons cette force en attente. Il faut que ces soi-disant démocrates le comprennent. Lorsque des milliers de Nigériens sont morts sur leur lit d'hôpital par manque d'électricité ou par manque de médicaments, c'est du crime. Ils sont responsables de ces sanctions, ils sont responsables de ces morts. La même chose se passe au Mali. Avec le Burkina, nous avons des sanctions indirectes. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Lorsqu'ils prennent leurs consignes de l'autre côté, ils viennent, ils font tout pour l'appliquer. C'est honteux. Certains ont décidé de ne pas fournir l'électricité à nos pays. Ce n'est pas gratuit, nous payons. Et ça contribue à leur économie. Système. Ils ont essayé de faire souffrir le Mali. Et bien sûr, en faisant fi de tous les textes et de ne plus donner l'électricité au Mali, espérant que la population se révolte. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Lorsque ça a duré, certains étaient obligés de faire payer leur propre peuple en augmentant le coût de l'électricité. Ça va encore augmenter. Cela nous donne plusieurs leçons. Plusieurs leçons en ce sens que l'indépendance que nous prenons, la souveraineté que nous prenons, nous devons tout faire pour qu'elle soit. Ils nous ont donné de très belles leçons et nous avons très bien compris. Exactement. Certains ont fermé leurs ports, ce qui d'ailleurs va à l'encontre de tous les textes internationaux parce qu'on ne peut pas fermer les ports à un pays sans littoral. Ils l'ont fait, ils ont violé les textes. La communauté internationale n'a pipé mot. Personne n'a parlé dans la CEDEAO. Mais dans les ports, nous ne faisons pas transiter nos marchandises gratuitement. Mm-hmm. Nous payons. Nous payons. Et ceux-là qui le font récoltent aujourd'hui les pots cassés. Et je pense que c'est une leçon pour eux aussi qu'il ne faut toujours pas appliquer les consignes de leur maître. Il faut qu'ils le comprennent pour toujours. La CEDEAO n'a jamais fait un communiqué pour féliciter une victoire de nos armées. À peine, elle condamne du bout des lèvres et très rarement lorsqu'il y a des massacres. Où est cette CEDEAO des peuples? Bref, nous ne pouvons pas citer tout le mal qui a été fait à nos peuples, mais nous avons décidé en toute âme et conscience de nous retirer et de nous concentrer sur notre organisation commune qu'est l'AES. Retenez que il n'y a pas de peur.
parce que en prospectant et en nous mettant au travail, nous avons remarqué une chose. Dernièrement, certains ont décidé d'interdire l'exportation de certains produits alimentaires vers le Burkina Faso. Très bien. Ils ont donné une durée. Nous ferons en sorte que, à la fin de cette durée, nous interdirons l'entrée de ces produits sur notre territoire. Ça, c'est le dirigeant qui a un caractère. Et ma bon, les gens qui sont capables de faire ça, c'est Guy Philippe. Moun ki te kapab fè sa lire le Guy Philippe. Et m'ap di justement pour commandant Guy Philippe. M'ap konnen même, nous obligé fò l'autre bagay. Parce que peuple là, route ko nèg yo prend avec Gary Koné là. Si c'est nèg yo k'ap fè mission bagay, ou pa bezwen konnen monsieur pou vivre santé non? Si c'est nèg yo k'ap fè mission bagay, ou pa bezwen konnen monsieur pou vivre santé. Et puis c'est nèg ça yo professionnel en détruit moun et c'est jeune yo pas jeune pour te faire Jovenel Moïse bataille on bagaille qui cause royal tout Jovenel Moïse la calé m'pa di c'est yo k'ap fèl mais si c'est ayo gantou que gars reconnu prend bien parce que pas jamais vivre en paix de connait ça ta gétan met à bon attaque déjà ou prétend prend la dedans mettre connait que ça a été besoin dans la landon déjà ou pas jamais vivre santé parce que nèg ça ou pas d'accord avec yo et même c'est touyer pour touyo. Et aux médias pas au capé dire tout yo qui a fait toute analyse pour faire tout le monde comprendre que route qu'on t'a fait ou te gagner la mort là-dedans et que on doit accepter la mort et qu'on ça médias travaille dans pays d'Haïti. Yo travaille ou même comme peuple pour montrer que ce pas qui normal pour tout yo parce que ou t'a pas un gros dossier, les grands dossiers de la nation qui est-ce que ça ou pas connaît des oligarques corrompus, des petits voleurs mais qui décide c'est yo que l'état dans l'état. Il fait ça ou voulez, Jean ou voulez, leur ou pépito. Et bien, nous t'attendons des jeunes capitaines Ibrahim Traoré. Et c'était extrêmement important pour que nous t'étendions et capitaine. Pour nous capter l'océan. Toujours par exemple, non, on nous prend tirer sécurité à nous pour nous traverser dans partie qui et dans deuxième partie mission. Entendez ça, non, monsieur, que nous sous soif tout bambanol. Nous sommes capables. Nous sommes capables et nous sommes très bien capables. Nous avons fait beaucoup d'expériences cette année et je peux vous assurer que sur le volet alimentaire, le Burkina peut être autosuffisant. Et nous avons de braves paysans. Nous mettrons tout en œuvre pour que nos paysans puissent labourer leurs terres et cultiver dignement. Et je mets au défi quiconque doute de cela que si nous décidons aujourd'hui au Burkina Faso d'être dans 3 ans ou 5 ans premier exportateur de cacao, nous le serons. Parce que nous pouvons. Sur l'industrialisation, plusieurs projets sont en cours pour 2024. Nous n'allons pas les citer ici, mais certains serments. Nous allons tout faire pour que ces projets voient le jour en 2024. Lorsque vous prenez l'économie, certains, quand on les écoute, ça fait pitié. Ils n'ont même pas le courage de faire comprendre au peuple qu'il y a moins de 5% d'échanges économiques entre les États de la CEDEAO. Parce que tout ce que nous faisons venir vient de l'espace hors de la CEDEAO, nos importations pour la majorité. Et tout ce que nous exportons part hors de la CEDEAO. La malhonnêteté intellectuelle de certains font qu'ils ne peuvent pas le dire, parce qu'ils sont des esclaves de salon. Ils ne peuvent pas vous dire ça pour que vous soyez confiants. Mais je vous invite à rester confiants, sereins, imperturbables, parce que nous pouvons. Nous pouvons avoir cette indépendance tant sur le plan alimentaire, tant sur le plan industriel. C'est possible et nous sommes lancés sur ce chemin. Très bien. Donc, les propos qui tendent à vous faire peur, qui tendent à semer la panique, il faut vous en départir. On se mettra au travail. Et nous allons y arriver.
Revenant donc à un aspect général dans l'Afrique, Thomas Sankara disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait les illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Et je m'en vais vous dire que si pour se libérer, un esclave se fait des illusions sur la providence d'une croyance que son maître lui a imposée pour le maintenir dans les ténèbres, il se fout le doigt dans l'œil. Il restera à jamais aveugle dans les ténèbres et ne verra jamais le jour. Dieu lui-même a dit, Dieu n'aime pas le paresseux. Dieu n'aime pas l'ignorant. Dieu n'aime pas celui qui ne se bat pas. Car dit-on, aide-toi et le ciel t'aidera. Et je ne passerai pas sous silence une partie du slogan donc des pionniers qui vivent aujourd'hui parmi nous. Oser lutter, savoir vaincre. Nous avons osé lutter dans l'AES et nous saurons vaincre. N'ayez aucune crainte. Très bien. La veille citoyenne que vous avez engagée, c'est un message à toute l'Afrique. Très bien. Et le Burkina Faso est solidaire et soutient tous les peuples d'Afrique qui souffrent le martyre. Très bien. Mais nous voulons aussi dire qu'il est temps que les Africains arrêtent de s'apitoyer sur leur sort, de se morfondre, de se lamenter. Il faut lutter. Ça ne viendra pas du ciel tout seul. Il faut lutter d'abord et Dieu va vous aider. Et le Burkina Faso est prêt à aider tous les peuples qui vont mener cette lutte. Dites-leur à tous ces peuples qui se battent, il est temps qu'ils disent la vérité à leurs dirigeants. Au Burkina Faso, lorsqu'il s'est agi pour nous de contribuer donc pour que le FDS soit équipé, les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de cession. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant. Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants. Et pour terminer, je lance donc un appel à tous les peuples de l'AES, à travers vous, pour qu'ils restent unis et solidaires. Toute souffrance a une fin. La lutte que nous avons engagée est dure. Mais il faut rester la tête sur les épaules parce que l'arme fatale de l'impérialisme reste la manipulation à travers la communication. Très bien. Sachez reconnaître les valets locaux. Sachez reconnaître les esclaves de salon. Sachez reconnaître tout cela qu'on soudoie pour venir vous vendre de fausses informations. Pour vous-même, restez serein et ne vous divisez pas. Parce que l'impérialisme a 1000 manèges dans son sac. Vous devez être vigilant. Vigilant et très vigilant. Merci à vous les VDP donc des différentes villes qui veillez jour et nuit pour que notre patrie reste debout. Et donc rendez hommage tous les jours aux FDS et aux VDP qui se battent au front. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous ceux qui se sont déplacés ici pour que nous puissions nous entretenir. Merci à ceux qui sont dehors, qui n'ont pas pu accéder. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État et commandant-chef de l'armée Burkina Faso, qui t'a parlé là, jeune garçon, et qui prend tête pays
à 33 ans. Et puis jodi là 2024 qui a des gros bagages qu'il a fait dans le pays, côté que monsieur presque jeune tout peuple li accompagné, bon capable dire majorité a accompagné monsieur. Il tellement ouais que monsieur a fond route qui clair avec pays, il ouais avenir, et puis il décidé ou dit même pas qu'on a élection. Peuple a décidé dit que yo ba monsieur mandat de 5 ans sans que yo pas gaspiller comme dans élection. Peuple a dit OK ben monsieur là pour 5 ans. Après 5 ans peuple a dit sinon fin mandat ba monsieur, yo ouais que yo mérite une élection, et ben yo peut-être capable de faire élection. Mais yo même, yo met monsieur là en attendant pour ouais, est-ce que monsieur ka kembe dans niveau là pour kembe pendant qu'il a supporté le jeune capitaine Ibrahim Traoré, pour mettre peuple là, il n'y a pas rien qu'il a fait pour lui. Il a fait pour le pays, lui-même tout. Il a considéré qu'il a un bénéficiaire tout. Il a vivre dans le pays, il a un pays, il a une stabilité, il a une autosuffisance alimentaire, il a toute qualité de bagaille pour le monde fonctionner dans le pays, pour tout le peuple, pour qu'il n'ait pas fonctionné normalement, sans qu'il n'y ait pas couru le pays pour le mourir, dans rager, pour sauver, pour aller en Europe, pour aller émerger en Europe. C'est ça. Mais naturellement, nous avons des jeunes capitaines Ibrahim Traoré. Et tout pas capable passer. Leader Pamna, garçon Kanson Pamna, président Pamna, qui a été assassiné dans le pays, président Jovenel Moïse. Qui a environ 12 millions de monde, donc plus passer 3 millions, pas vivre du tout. Ça veut dire, il n'y a pas qu'à manger, il n'y a pas qu'à la priorité, il n'y a pas qu'à l'eau pour boire pour gagner, il n'y a pas qu'à l'hôpital pour y aller, il n'y a pas qu'à l'école pour y aller. Qui donc? Lutte contre la corruption n'est pas facile. Parce que dans la bataille, ce n'est pas tout le temps où est contre qui est Wabgoum. Quand on pense à Wabgoum, à un monde, ou bien à un groupe de monde. Et puis, ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour sans raison que les entités qui sont Wabgoum avec eux, force fait noir. Ça veut dire, ou pas qu'à ouais. Je dis à les gens qui ont gardé détermination, avec volonté, peuple haïtien, dans la toute corruption, ils ont obligé de sortir tête pour venir défendre la cause. La cause pas, c'est qu'un système pesé sous sa chanière. Ils ont manipulé le public avec une grosse campagne de communication pour transformer les victimes en bourreaux, pour faire les bourreaux passer pour victimes. Ils ont fait mentir passer pour vérité. Ils ont fait vérité passer pour mentir. Ils ont fait innocent passer pour coupable et coupable passer pour innocent. Moi-même, je dis peut-être plusieurs fois déjà dans le discours. Moi, je paye de la vie. Manipulation, ça. Je décide de parler qu'on y a. Parce que faut peuple qu'on la vérité. Faut peuple qui a clairement identifié qui est-ce qui est dans le camp. À qui est-ce qui n'est pas dans le camp. Qui est-ce qui est mis et qui est-ce. Qui est l'ennemi? Qui est-ce qui a dit la vérité? Et qui est-ce qui a menti avec lui? Qui est-ce qui est en corruption? À qui est-ce qui n'est pas en corruption? L'État perdit en pile l'argent dans le pays. Taxe à impôt, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en droit. C'est eux qui disent qu'on veut le pays. Et personne. Premier ministre qui l'a, ministre, parfois, pas qu'à dire le contraire. Et c'est pour ça maintenant, je demande à chaque monde, tout le monde, qui prend le job de l'État, je ne demande pas pour le courage, pas maintenant. Et je ne demande pas pour obliger pour un risque que je mais ça m'a demandé sur un job l'État, il faut faire la loi respecter. Il faut faire la loi appliquer. Il faut l'appliquer pour tout le monde. Ni le monde qui est riche, ni le monde qui est pauvre,
ni mon en dehors, ni mon la ville. Ou pas yon doit faire l'appliquer. Et puis, il y a un monde qui connaît, il n'est pas là pour respecter la loi. L'État perdit un pile comme dans six facturations, dans messieurs pourcentage, dans vieux contrats champrels sous le peuple, dans spéculation dans les affaires de dollars, dans chèque zombie, dans acheter équipement et matériel pour l'État qui ne va jamais livrer. Et l'État perdit un pile l'argent, dans les fait vieux bénéfices suspects. Il y a des gens qui disent ça, ils disent au président que ça existait depuis 10 ans. Pour qui ça c'est? Ou même, qui veut venir déranger? C'est ça qui finit dans le pays. Mais je dis, il faut qu'il y ait un président qui est venu, qui peut te dire ça va continuer comme ça. Je ne suis pas là pour me voir tout ça. Ni accusé aucun ancien président. Parce que bagalage, pour j'aime ma vivre aujourd'hui. J'aime dire un journaliste avant hier, c'est un cousin volcan. Nous tous qui là, nous avons senti chaleur, mais président, là dedans. Ça veut dire, il y a des pour y faire, il faut même oublier tes paroles. Faut même oublier la vie, faut même oublier l'existence. Et je voulais pour tout le monde comprendre ça contre le coq. Je n'ai pas de bataille contre le monde qui a l'argent. L'État, c'est encourager tout le monde qui a l'argent pour faire plus d'argent, mais pour faire l'argent dans de bonnes conditions. Ça veut dire. Ils payent taxes à impôts, ils comme ça doit. Ils pas entré dans aucune combinaison pour faire l'État signer vieux contrat champouel. Ils pas un fonctionnaire public qui a payé pendant ce que l'État lui-même l'argent qui a payé, il paye fonctionnaire public. Ils même eu l'incapacité de payer 3 fois, 4 fois, 5 fois, parfois 10 fois. Ça avec mon Dieu, il y a un problème. Et si reste en crédit maintenant, je vais toujours continuer un problème avec eux. Parce que pour mettre le pays sur route de développement, avec bonne gouvernance, route croissance économique et stabilité sociale, il faut que l'État joue un moyen pour ça. Et moyen qui est dans le monde. Depuis, vous faites le mal. C'est normal pour nous demander pour remettre les. Pour nous garder avec le peuple. Moi, je songe, dans le mois de novembre 2017, je suis arrivé à Camperin. J'étais dans une visite de travail. J'étais avec un gros fonctionnaire international, qui travaille dans une grosse institution internationale qui t'accompagne. Laisse-moi finir la visite là. Fonctionnaire, ça regarde. Il dit, président, est-ce qu'il me garde un bagage? Il dit, lui. Il m'a dit, est-ce qu'on comprend dans qui ça rentre là? Je l'explique. Je ne comprends pas parce que le fait que mon président marche dans tout le trajet dans le pays, découvre l'usine qui est embarrassée, l'usine tout neuf, hein, qu'elle est attachée. Tout neuf. Côté, il y en a éliminé, il prend le cerveau. Il commande des cerveaux. Réparer l'usine, ça. Yo. Premier qui me mette sous pied, me mette sa camper rien sous pied comme marché. Et qui asphalte toute route dans la zone camper rien, c'est un monde dans le sud qui a gardé le capitaine là. Avec un monnaie, et dans l'époque ça, pour te faire un kilomètre
asphalt, bads, terrassement, nous, revêtement, l'État a payé 1 500 000 dollars. Et là, ça, kilomètre, nous, t'as fait au pas même côté, nous. Là, nous commandé bitume, pas nous. Plus, nous connaissons la ravine du sud, c'est une rivière qui a plus de matériaux qui vient dans le pays. Et gravel là, ça veut dire usine agrégate installée à côté de la ravine du sud. Ça veut dire ça, nous avons besoin, c'est trois bagailles. L'argent pour nous payer, ouvriers, techniciens, ingénieurs, que l'État a payé déjà. L'argent pour nous acheter bitume, non? Et puis, comme vous achetez gaz, mettez dans l'équipement. Ça veut dire, là, nous faisons calcul combien de kilomètres de route t'as coûté nous, dans l'époque, ça, en 2017, là, en novembre. Nous avons dépensé 50 000 dollars. Là, nous achetons bitume. Là. Qui coûtait nous environ, à l'époque, là, qui était vendu 2 dollars et quelques gallons, qui coûtait nous moins que 30 000 dollars. Quand il y a un connu, il peut être à vendre. Qui vous marchez, même? Pour l'État. Là, nous faisons calcul, nous voyons que nous avons dépensé environ 50 000 dollars. Et puis, là, nous finissons réfléchir. Dame, je vais vous expliquer. Mais dans la tête, nous, la travail. Il dit que le secteur BTP, pour nous comprendre bien, BTP c'est bâtiment et travaux publics. C'est une plus grosse mafia qui existait dans le monde. Pas moi non, je cite le monde qui te dit ça. Corruption qui gagne dans ce secteur ça, pour aller virer contre. Et elle virer contre. Là, tout un missile avec une tête nucléaire. Pour venir détruire tout équipe. Là, tout nous fouette cap calo ou pas pour écouter coup de fouette l'absurde. Moi, je suis vivre pendant 2 ans. Pays lock, instabilité politique. Pendant 3 fois. Gros acte. Quand on peut utiliser le peuple pour ouvrir la caille, pour te faire connaître ça, que Ville-Brigue-Homme, ça me connaît. Je dis dans la radio, dans la télévision. Et mais grâce à Dieu, jusqu'à aujourd'hui, à moi là. Maintenant, ça, il était visible. Mais malheureusement, le président Jovenel Moïse Badjem te prend disposition lui-même pour stopper. Les nègres qui ont fait planification, ça. Moi-même, je t'ai stoppé. Les nègres pas là. Et nous pas de droit pour tout. Il n'y a pas de droit de river tout. Et c'est ça qui me fait mal. Le commandant Guy Philippe fait déclaration ça. Il dit clairement, s'il était là, le président va mourir. Et où est vrai, le président a un monde qui a un courage, qui va côté le carré de la bataille contre ça. Et je viens d'obliger de tendre Guy Philippe. Malheureusement, le président, tout lui-même, même tête, des fois, il n'y a pas de tendre. Parce qu'il n'y a pas de qualité de bataille ça. Pour ce matin, il y a bonne sécurité. Et c'est même Zam Sayo qui mange encore. Moi là, je continue à gourmer parce que moi crois que c'est corruption qui crée gros distance ça yo entre monde qui riche en pile yo et ça qui pauvre en pile yo. Tout pays qui pratique exclusion économique pas jamais une stabilité sociale jamais. Ou l'État, c'est chercher bon genre équilibre dans mes yeux économiques, la prend yo, pour ni moun qui riche, ni moun qui pauvre, qui vivent ensemble dans une société qui chita sous équilibre. Ou l'État, c'est faire promotion justice et équité sociale. Ou l'État,
C'est pas mettre le bon côté monde qui plus riche et abandonné si là yo qui plus pauvre. Même gens ou pas jamais entendre président Jovenel voye moun qui pas gen moyen à le craser, à le briser, à le bouler, ça fait moun qui gen moyen. Même nèg tout encore. C'est bon moun. C'est pour moun qui gen moyen ou vinn gen plus moyen toujours. Mais si gen moun qui gen comme l'état nan main yo, bien l'état nan main yo nan mauvais condition, n'a pas retiré le nom pour nous venir mettre le nom de peuple. Déclaration ça, l'offel, ou t'es supposé qu'on garçon, qu'on s'en consacre beaucoup de temps. Ou t'es sédenteur. Et qui différence ou t'as fait? Qui sont pensés ou t'es capoté comme différence? Premièrement, je suis sûr que le président Jovenel va mourir à l'homme. Ah bon? Pensez ça? Je pense ça. Deuxièmement, problème de sécurité, ça va arriver là. Non seulement nous avons mis des structures, nous avons aidé le président à comprendre et forcer pour que le pays ait bonne sécurité. Deuxièmement, nous avons forcé tout pour qu'il y ait un barrage social qui vous fait pour que les jeunes ne pas tomber dans la délinquance et juvénile que vous tombez. Vous êtes proche, Jovenel? Bon, nous avons fait campagne ensemble avec le président Jovenel et je ne peux pas dire que nous avons fait campagne ensemble et je suis remis et discours, je suis remis pour le projet, surtout électrifié. Tout le pays a pris son bagage qui tape très bon, qui était très bon, et barrage que vous avez fait pour porter de l'eau, bah, paysans, pour agriculteurs, nous, et pour nous, et pour production nationale là. Oui, je pense que je suis influencé, et si je suis là, encore une fois, je dis, il va mourir. Mais l'autre dit, pas de mourir, comme ça. Dans quel monde nous avons quitté pour tout le monde qui est rentré dans le pays, tout le monde qui est rentré dans le pays, pour nous voir. Dans quel monde nous avons quitté le premier attentat complot sur le président en janvier, et puis, on n'est pas fait, juste à ce qu'il a assassiné en juillet. Non, non, ça, ça va pas passer. Qui assassiné le président, c'est des proches présidents. Il y a plus de monde qui pense ça. Eh bien, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Il y a la privé. Bon, est-ce que vous pensez que sacrifier le président Jovenel là, ou même le président, ça va plus fort? Je ne sais pas, ça va priver. Premièrement, je ne vais pas avoir de sécurité. Agent de sécurité, c'est moi qui ai choisi ça. Je vais prendre l'agent et sécurité. Deuxièmement, si je prends une position, je prends le net et mal là-dedans. Je ne vais pas hésiter. Position, je vais être là-dedans, je vais être là-dedans. Et je ne suis pas sûr que je suis en sécurité. Je ne peux pas faire révolution, je ne peux pas changer l'État. Tout ça, le président Jovenel, il a dénoncé. Il ne peut pas faire s'il m'a assuré la sécurité parce que je vais tuer quand même. Et je vais dire ça. Je vais dire ça ici à Corail. Corail qui est tout près. Je vais marcher avec moi. Je vais dire Madame Martine Moïsa. Je vais dire, Jean-Président, parlez. Vous connaissez l'assassinat? Et propre équipe qui a assassiné. On t'a entendu ça? Avant, vous kidnappez, je vais dire. Mais ça, faut que tu aies ça. Parce que discours, parce que j'en ai parlé là, réforme libérale fait, sale deal libérale fait, agriculture. Ou pensez, et mafia qui a fait importation abusive du riz. C'est plus qu'un milliard de dollars, ils ont importé du riz. Le président, même Maria là, c'est même Maria là pour faire face. Je vais neutraliser. Je vais garantir qu'il y a neutralisé. Il y a un travail pour développer un pays d'Haïti, mais il y a neutralisé. Il n'y a aucun monde qui a vu quitter. Parce que soit là, c'est même Maria là sous ta président, c'est même Maria là pour faire face. Ça, mais c'est ça, le président Jovenel était hésitant. Le président Jovenel, son nègre guidé, son pelier. Puis le monsieur est allé en paix. Ou bien il fait pasteur. Parce que comment vous voulez dire, on va battre un système corrompu comme ça. Comment vous voulez dire, on va battre avec des nègres qui ont fait des millions par semaine. Ou bien qui ont importé milliards de dollars dans le jury. Vendre blackout dans le pays. Comment vous pensez qu'on va battre avec un système ça et vous ne pouvez même contrôler la sécurité? Vous ne pouvez pas contrôler la sécurité. Moi-même, je dis que ça, c'est des questions, c'est des bagailles. Pour n'importe monde qui voulait Haïti, river côté Libyen, nous pas obligé de travailler sur eux. Faut que nous suspendions la question d'importation abusive. On sait des bagages que nous avons fait en Haïti. T'as coup du riz, t'as coup pas de tomates, t'as coup l'huile. C'est ici en Haïti pour faire. Je, c'est ici pour faire. Poule, c'est nous pour faire pour nous. Comment vous voulez dire, tout ça nous a produit, nous quittons mafia l'autre pays, contrôler le pays politicien en Haïti, et puis nous-mêmes craser la production nationale. Accepter une série d'aides capturer le pays. Premièrement, ça, le président Jovenel a fait ça. N'importe quel président fait, c'est 10 blancs, s'il vous plaît. Pas bonne aide encore. Aide ou pas bonne aide, nous n'avons pas besoin d'aide. Guy, économiquement, qui sont vivants, je veux dire? Ou bah oui, ils sont grands propriétaires terriens. Vous voyez combien de jardins de miens? Non, il y a un petit business, il y a un petit côté MDA là. Ok. Je n'ai pas besoin de pile pour me vivre, je n'ai pas besoin de pile pour que je me contente. Donc, très bien, comment est-ce que Guy Philippe? Et dans la ville de Pestel, qui t'a fait marché, vous comprenez, qui est extrêmement. Aider, essayer d'aider dans l'orphelinat. Je dis que Philippe, c'est drogue dealer. Quoi de drogue là?
Pour ça, c'est pour l'argent, comme vous dites l'argent. Ce qui est intéressant, c'est que Guy Philippe dit clairement, s'il était la président, pas de mourir. Et ça m'a toujours dit, il n'est pas possible pour le président Jovenel Moïse de Kimbe, même sécurité Joseph Michel Martelly de Baléo. On t'y vole, on t'y assassin, on t'y drogue dealer, on t'y pillage, t'as qu'au Dimitri Ra, vole vicieux, t'as qu'au Jean Lagel Civil, Amazon, par acquitté, banti corrompu, ça banti vole, ça on a parlé national toujours. C'est soit tout yo, ou bien fait au vole qui te parle ya. Ou mette moun de bien, moun qui moun pa ou sot la kawa ve yo, qui sa que fait Jovenel Moïse, pas de ka jeune, des jeunes garçons dans le nord-ouest, si vous voulez, font pour formation là, dans sa fait sécurité. Inviter des amis, chercher des amis pour compagnie sécurité étrangère, pour une bonne sécurité, parce qu'on fait l'État rentrer, on s'est dit l'argent, qui n'y a pas une personne qui t'a fait l'État rentrer, ou de réinvestir 10 millions de dollars américains dans la sécurité, ou? Pour n'être pas tout, ou? Mais malheureusement, j'ai comme un Guy Philippe Dia, président Jovenel Moïse, c'est ton bon père de famille, il était plus simple au père de l'église, on a qui peut faire sans couler pendant qu'il n'y a planifié pour faire sans couler. Si je suis chef d'État, je n'ai pas fait faire ça. Si je suis chef d'État, je n'ai pas fait faire ça. Le président de la République, je ne peux pas faire comme témoin. Je n'ai pas fait faire ça. Le président de la République, je quitte le 7 février 2021. 7 février 2021, là, il fait tentative coup d'État assassinat. Président de la République, moi-même, Bretto, ton est boule, m'dap tout et tout. Pas d'abien yon qui d'abexiste. Ou pas d'abien fait coup d'État ou planifié assassinat, moi-même, président, pour qu'on vive, ou nous tout tap mouri. Et son obligation pour qu'il y ait mouri. Et son erreur qui cause yon pas mouri, c'est son erreur que Jovenel Moïse et patouye yo. C'est yon le fait qui cause oué, yon rebondil. Il faut le 7 juillet 2021, au massacre comme président. Moi, 7 février 2021, tout le monde qui est dans le petit bois, tout tap mouri. Et l'État tap touye toute tête. Bonjour tout le monde qui est là-bas.